Direction la Côte d'Ivoire. Après la grande nomination du Premier ministre ivoirien Patrick Hachi, il se prononce en ce jour et envoie une mise en garde à l'opposition. Voici les raisons formelles. Pour plus de détails, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti! Nommé Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire en ce 26 mars 2022, un seul et unique nom lui traverse sa première roman l'esprit en Côte d'Ivoire, celle du président Alassane Ouattara. Patrick Hachi a bien voulu le dire à travers le monde entier et à travers une grande population qui s'incline en ce jour devant lui. Se montrant Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Patrick Hachi envoie un message à l'opposition. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence M. Alassane Ouattara, mon nom de sa grande confiance, a-t-il écrit sur sa page officielle Facebook en ce jour. En plus de cela, il soutient ceci. Je le remercie humblement et aussi ma grande loyauté à travers les Ivoiriens et de mon grand engagement absolu à travers le RHDP. Je m'assure de la grande ampleur, cette grande charge qu'il m'a confiée au sein des populations de Fékézi-Dougou et sans oublier les populations de Korogo et Séguéla. Je m'engage en ce jour à agir chaque jour qui passe à travers la Côte d'Ivoire avec une grande exigence et dévouement. Rien à dire. En plus de bénéficier du plus grand soutien et la grande confiance du chef de l'État en Côte d'Ivoire, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Patrick Hachi, cadre de la grande région de Mille, s'est voulu très triste en ce jour, chose qu'il se presse d'exprimer sur la page officielle Facebook. À cet instant, mes pensées et mes prières vont à mes frères de la Côte d'Ivoire, Amadou Gon Koulibaly et sans oublier M. Ahmed Bakayoko, dont l'action au grand service de tous a marqué tout un chacun son grand temps, sans distinction, et le sens de l'État seront pour moi une grande source constante d'inspiration. Il faut le dire en ce jour, la grande disparition de ses prédécesseurs lui ont laissé un grand vide dans le cœur, mais lui aussi, il demeure une grande personnalité et persuadé que sous le grand leadership du président de la République de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara, nous le gouvernement ivoirien, le RHDP, partirons tous de l'avant, tous ensemble en Côte d'Ivoire, toujours pour plus de prospects, une grande solidarité, une grande union nationale, sans oublier la grande réconciliation nationale et le retour des exilés tels que nous avons entre autres M. Guillaume Kibafourissourou, le président Laurent Gbagbo et plusieurs autres personnalités de la scène politique en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons cette affaire à suivre.